Un dépistage obligatoire pour les personnels communaux et les enseignants, c'est ce que réclament plusieurs maires de communes rurales autour de Chauvigny dans la Vienne où plusieurs cas, vous le savez, de Covid-19 avaient perturbé la rentrée des classes ce mardi. Le week-end dernier à Chauvigny, des dépistages massifs avaient été organisés. Les maires, voisins et les parents d'élèves demandent donc les mêmes précautions. Isabelle Hirsch avec Laurent Gauthier. Une démission symbolique, celle du maire de Val-d'Ivienne. Il veut marquer sa colère face au refus de l'ARS de pratiquer des tests sur le personnel de l'école de sa commune. Il en demandait une trentaine pour rassurer les familles. Et vous avez quoi, un sentiment de laisser pour compte? Oui, d'abandon, tout simplement. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, l'État se reporte beaucoup sur les petits maires, sur les maires, tout simplement. Hein. Et pour une fois que un maire tel que moi avait besoin d'un petit peu d'aide, voyez, pour prendre ma décision, pour tranquilliser les familles, eh bien, on me dit non. L'école de Val-d'Ivienne rouvrira le 25 mai après une période de quatorzaine. À Tercé, en revanche, l'école maternelle du RPI Tercé-Pouillé-Jardre ne rouvrira pas. Le maire évoque les difficultés à faire appliquer les consignes à de jeunes enfants. Quant aux parents d'élèves, ils sont partagés. Et Olia Le Galmas ne remettra pas sa fille de 4 ans à l'école. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que laisser des enfants assis sur une chaise sans pouvoir manipuler des objets, pouvoir se faire réconforter par la maîtresse au vu du protocole sanitaire, on s'était dit que ce n'était pas adapté et peut-être que ça aurait été stressant pour elle. D'autres parents veulent redonner une vie sociale à leurs enfants. On voulait qu'ils retrouvent un petit peu ses copines. Après, c'est vrai que l'environnement était particulier, juste le fait d'échanger, de sortir du cadre, parce que pendant 2 mois, il reste dans un cadre très fermé. C'était le fait de vouloir un petit peu sortir de ce cadre-là reprendre un petit peu le cours de la vie. L'école maternelle de Tercé restera fermée jusqu'au 2 juin. Une analyse de la situation aura lieu à ce moment-là. Pour l'instant, elle n'accueille que les enfants de soignants.